Ça mérite un peu de musique, maestro. Ce matin, le Rav Chaim Shalita a reçu une invitation pour aller quelque part à Paris, honorer une simcha. Et malgré son âge, et malgré sa fatigue, et malgré un petit peu son état de santé, il a accepté pour vous expliquer un peu comment les choses elles marchent dans le ciel. Et donc il a commencé par prendre la voiture pour pouvoir venir plus tôt à Paris. Naturellement, il est tombé en pleine tempête de neige. En passant d'ailleurs, ils ont vu une voiture de la Yeshiva qui était dans un fossé, ils ont aidé la voiture à sortir. C'est vous dire. Et après, ils ont décidé de changer, que puisqu'on ne pouvait pas continuer en voiture, on va aller à Chambéry prendre le train pour être à Lyon et le TGV de Lyon-Paris, de telle sorte qu'on arrive à l'heure. Eh bien, pour aller de Chambéry à Lyon, vu la tempête de neige, le TGV a mis 3 heures. Résultat, notre cher Rav, évidemment les correspondances ont été ratées, et le Rav est arrivé tard à Paris. Alors évidemment, tout le monde aurait pu se dire, bah oui, c'est bien dommage que le Rav soit arrivé tard, etc. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si le Rav n'avait pas fait ce chemin apparemment tordu pour arriver par la voiture de Chambéry, Chambéry-Lyon, l'a raté, sa correspondance, il serait encore à l'heure actuelle dans le TGV. Parce que le TGV qu'il devait prendre pour venir en direct d'Aix-les-Bains, eh bien, n'est toujours pas encore arrivé et a un retard indéterminé. C'est ce que disent nos sages, n'est-ce pas, qui est Charim d'Arke Hachem. Les voies d'Akadosh Baruch Hu sont toutes droites. Même si on va en zigzag, elles sont toujours toutes droites. À condition que ce soit Tzadikim et Rubam, quand les Tzadikim marchent dans ces voies, même si en zigzag, ils arrivent tout droit. Il n'y a que les autres qui ne comprennent rien, qui croient que les zigzags les éloignent. Ça, c'est une première chose que je voulais vous raconter qui valait la peine. Ensuite, je voulais vous remercier et dire que vraiment, vous êtes tous des anges d'avoir... Vous savez que les anges, ils mangent, hein, vous avez bien vu que les 3 anges avec Abraham, ils ont mangé. Vous êtes tous des anges d'avoir eu de la patience à attendre jusqu'à maintenant. Et j'espère que votre patience ne sera pas déçue. Mais justement, à propos d'anges, j'espère que vous n'avez pas envie de vous battre. Car vous ignorez peut-être, vous vous rappelez sans doute, que notre malheureux Yaakov, il a des fois vu des anges qui montaient et descendaient, il a vu des anges qui le protégeaient, mais il a aussi affaire à un ange avec lequel il s'est battu. Et cet ange avec lequel il s'est battu a essayé de l'avoir par tous les moyens. Il s'est collé, attaché à lui, presque descendant, il n'est pas arrivé. Et à la fin quand même, il a fait un petit quelque chose. Et Yaakov s'est retrouvé blessé. Et la Torah nous dit qu'il a été blessé de carrière. Ce qu'on dit habituellement la hanche. Mais le guerre, en vérité, c'est la base et le soutien. Et nos sages disent que là où il a été blessé, c'est un petit peu là où on soutient la Torah. Et le Rav Shalita a dit dans un discours la semaine dernière que le clan d'Israël avait pas tellement besoin de craindre le miracle que le Jour s'en chargerait, mais qu'il avait besoin d'avoir beaucoup plus peur des difficultés qu'ont les mosquées de la Torah de tenir. C'est-à-dire le guerre, la base sur laquelle repose toute la Torah et la guerre du clan d'Israël, c'est là où effectivement Esav a réussi à le rendre un petit peu boiteux ou boitier. Et nous avons besoin de ces soutiens de la Torah. Et justement, la Yeshiva d'Aix-les-Bains a ceci de particulier, c'est qu'elle a, en dehors de ses maîtres, un yéder, un soutien, un piédestal large, très large, et qui, Baruch HaShem, à ce jour encore, ne boitille pas. Et je compte sur vous pour qu'il continue à ne point boitiller. La preuve, c'est qu'il va courir jusqu'à moi d'un pied ferme, l'un des grands soutiens de Yeshiva, Gershom Kahen. On vient de le dire à l'instant que nous ne sommes pas les seuls dans le quartier
avoir besoin d'argent. On me dit que de l'autre côté là, de la porte Maillot, il y a ce soir une soirée en faveur, au bénéfice du Tsahal, qui rencontre un succès absolument extraordinaire. Et j'aurais voulu demander à la salle toute entière, nous avons besoin tous qu'en Israël, on soit fort. Nous avons tous besoin qu'en Israël, on sente que HaKadosh Baruch Hu donne la force à Israël. Et c'est pour ça que je voulais demander à la salle de s'associer, de souhaiter la Hatzlacha à l'action qui se fait de notre côté. De savoir
lorsque nous avons des obstacles, mais des obstacles de ce genre, je crois que c'est vraiment Menachem Begin qu'on veut mettre le doigt là-dessus, sur le problème, pour nous dire, ce soir, il faut faire des efforts tout à fait particuliers, que tous ceux qui sont venus ce soir pour aider, disent, mais si c'est comme ça, si c'est un effort tout à fait spécial qu'il faut faire, je le ferai ce soir, parce que c'est pour HaKadosh Baruch Hu, c'est pour la Torah qu'HaKadosh Baruch Hu nous aide, et qu'il nous arrive, qu'il arrive à faire en sorte que la Torah triomphe, Ad Bias Moshiach Tzidkeinu, Amen. Le secret qu'on va me révéler maintenant, c'est une soirée pleine de surprises, vous savez. C'est magnifique. Alors là, nos invités de marque se succèdent. Et voici l'homme du Zikoui à Rabin dans Paris. Celui qui réalise le grand Zikoui à Rabin d'être Meishiv, de ramener les gens à la Torah. Nous avons nommé ici le Rav David Pinto Chalita. Nous saluons avec beaucoup de ferveur et de Thank you.
que c'est grâce à vous que la yeshiva va avoir moins de problèmes. On
peut même penser, j'espère que ce sera le cas pour certains, que des gestes historiques vont permettre à cette yeshiva, qui est la plus noble, la plus ancienne, la plus rayonnante de nos institutions en France, de continuer son merveilleux chemin. Eh bien, je suis venu vous dire, mes chers amis, pardonnez la brutalité de mon propos, qu'il n'en est rien. Il y a là-haut, quelque part, dans l'immensité du trône divin, une lumière qui s'appelle Ex-Leba. Cette lumière, c'est Hachem qui s'en occupe. C'est le maître du monde, c'est lui qui décide de la poursuite de sa destinée, de la capacité qu'elle a à transmettre le message, et par conséquent de sa pérennité. Un jour, un homme a voulu comprendre quel était le rôle de la génération de la fin des temps. Et cet homme illustre, lui, entre tous, le Rav Ephraim de Volozhin, le Nefer Bal, le Nefer Shafraim, le Chronon de Vracha, a voulu essayer de comprendre ce que veut dire la Gemara dans Sanhedrin lorsqu'elle évoque la génération de la fin des temps. Il est dit dans ce texte, Pene Ador ke Pene Akel, la face de la génération ressemblera à celle du chien. Et il précise le propos de nos maîtres en disant que fait un chien. C'est bien connu, c'est l'explication de Rabbi Israël Salanter qui disait qu'un chien marche devant son maître, mais il se retourne pour savoir si ce dernier le suit. Et il disait, le Rabbi Israël, lui, que c'est ainsi que seront les chefs d'État à la fin des temps. Comment aujourd'hui est-ce que l'on gouverne le monde? Par sondage interposé. Qui gouverne? Ce ne sont pas les chefs, c'est le peuple. C'est le peuple qui prend des chefs et qui les fait marcher devant lui, et c'est le peuple qui, lui, décide où doit aller le chef. Le chef n'est rien, il n'est que l'expression de la volonté du peuple. C'est cela, la face de la génération qui ressemblera au chien. Mais Rav Ephraim disait différemment. Il disait, lorsqu'on prend une pierre, lorsqu'on prend un bâton et qu'on le jette, que fait le chien? Il court derrière le bâton, il court derrière la pierre. Pourquoi? Parce que le chien croit que la pierre est là pour l'agresser, que l'ennemi c'est le bâton, et que c'est lui qu'il convient de pourchasser. Alors qu'en fait, le chien est incapable de savoir où est la main, quel est l'esprit, d'où vient la volonté qui a manipulé l'objet. Le chien court derrière l'objet, il faudrait savoir où est le maître. Mes chers amis, dans ce monde, on assiste à des tas de choses. Et on a l'impression, nous, qu'il y a une confusion dramatique entre la causalité et l'événement. Il y a un événement ce soir, un dîner en faveur de les yeshivas d'Extrema. C'est un événement. Qu'est-ce qu'un événement? C'est une volonté commune des hommes de faire comme s'ils pouvaient aider Dieu. Comme s'ils allaient interférer dans le domaine de sa décision exclusive. Et je sais combien ici notre Rav a été l'élève, l'un des plus illustres, des plus fervents élèves du Chavetz Chaim, Zeren Tzadik Livracha, et il se souviendra beaucoup mieux que moi du Machal, entre autres, de l'allégorie, de la parabole que donnait le Chavetz Chaim à des soirées de ce genre. Il aurait dit, vous savez à qui vous me faites penser, parisien d'un soir? Vous me faites penser à un homme qui était pressé et qui voyageait dans un train. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il s'est levé, il s'est adossé au compartiment et il s'est mis à pousser le train dans lequel il était, comme si cela pouvait faire en sorte que le train aille plus vite. Mes chers amis, apparemment donc, d'après ce que je viens de dire, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, terminer le repas et partir, sans rien faire, puisque Dieu s'en occupe, puisque c'est lui qui va faire en sorte que cette yeshiva continue, que son destin à elle est entre ses mains. Eh bien pourtant, on a besoin de vous, surtout de partenaires. On a même un besoin étrange, dramatiquement pressant, de votre présence et de votre participation. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. En fait, on a voulu, et c'est je crois le grand mérite qu'il faut avoir à l'encontre de cette yeshiva. La yeshiva, mes chers amis, a voulu nous donner à tous du mérite. Elle a voulu nous faire partager sa vocation grandiose. Elle a voulu nous dire, cette yeshiva, moi je sais que si Hachem veut, il sait comment faire en sorte que je subsiste à tout jamais. Mais peut-être que ce soir, il y a ici dans la salle
des hommes et des femmes qui, par un sacrifice hors du commun, par un geste ultime de volonté de participer à l'histoire d'Israël, vont faire en sorte que le sacrifice en question soit un geste béni par Hachem. Dans une Gemara que je trouve toujours troublante, dans la Gemara de l'Avodah Zarah d'Afrée, au début, il est dit, au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, que lorsqu'un homme accomplit, qu'on a osé mitzvah ahad ba'olam azeh, me kamedato la'olam abba, cette mitzvah, elle marche devant lui dans le monde futur. Si ici on fait du bien, c'est là-haut qu'on reçoit notre récompense. La mitzvah est notre accompagnatrice. Mais il est dit que l'envers verra ba'olam azeh. Si malheureusement un homme fait du mal dans ce monde-ci, il est dit aussi que cette avera me la fait trop, qu'elle va non pas l'accompagner, mais l'entourer. Et pour comprendre ce que veut dire ici ce texte, je recours au Maharshal Rotai, qui dit, en tant que grand commentateur de la Gemara, qu'ici, il s'agit de quelque chose de très précis. Le Maharshal dit chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, il secrète une création. Il y a quelque chose qui se crée. Qu'est-ce qu'un acte selon la Torah? Ce n'est pas une production d'énergie, c'est plus que cela. C'est un prolongement d'énergie. Chacun d'entre nous est producteur d'énergie. Chacun d'entre nous a la capacité de rayonner d'une certaine façon. Et lorsque l'on fait du bien, on rayonne. On crée ce que la tradition appelle un malar, un ange. Et que fait cet ange? Eh bien, il danse devant nous. Il chante devant nous. Il nous accompagne dans le monde futur. Alors imaginez ce soir le bonheur qui sera le nôtre. Lorsqu'arrivant dans le monde futur à 120 ans, on se verra accueillir à notre immense surprise par une cohorte de malachim qui chanteront devant nous comme les jeunes gens chantent devant le Khatan qui va à la rencontre de Shakala. Et voilà qu'à ce moment extraordinaire de la vie d'un homme, il y a là toutes sortes d'amis qui viennent chaleureux, enthousiastes, lui dire ce que tu fais c'est important, ce que tu fais c'est grand, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est beau, et on est venu pour t'encourager, pour te faire la route. Nous sommes les motards, on t'ouvre le chemin qui mène à l'éternité. Hélas, quand on fait le contraire, qu'est-ce qui se passe? On crée aussi un malheur. Mais voilà que ce malheur, au lieu de nous précéder, au lieu de marcher devant nous, il nous entoure, il nous ficelle, il nous fait sa peau, dit le texte. Ça veut dire que littéralement, l'homme est ligoté. Il est entouré par une force qui, elle, est hostile. C'est une force redoutable. Et que fait cette force? Elle conduit l'homme de façon désespérante vers un rendez-vous qu'il n'a pas voulu. Et nos maîtres comparent ces deux situations à l'invitation d'une khatuna. On nous dit, venez à une fête. Venez, vous allez manger, vous allez boire, vous allez vous réjouir avec vos amis. Qui refuse l'invitation? C'est l'invitation de la mitzvah. Quant à celui qui est invité à une avéra, à une faute, que fait la avéra? Elle le prend. Comme un homme qui serait convoqué chez un bourreau et qui, bien évidemment, n'a aucune envie d'y aller. Et cette avéra vient devant lui et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ficelle, elle le ligote, elle le fagote et elle lui dit, contre ton gré, tu vas venir jusqu'à moi. Alors, voilà l'avantage, je crois que ce soir, le défi est très clair. Nous avons à faire pour nous quelque chose. Il ne faut pas nous tromper de registre. Et c'est cette erreur historique que je ne voulais pas vous laisser commettre. Ne croyons pas que nous allons aider en poussant ce train. Disons-nous que nous avons, nous, la chance de nous trouver sur le chemin du Yeshiva, qui est certainement la plus noble de toutes pour notre pays ici, et qui a besoin de nous. C'est l'occasion d'avoir devant nous des motards. Ce soir, mes chers amis, vous allez tous repartir avec des motards devant vous. Ils vont vous ouvrir la route. Vous allez voir le périphérique va être complètement libre ce soir. Les grandes avenues parisiennes qui vont vous conduire vers vos domiciles respectifs à la fin de la soirée seront étonnamment vides. Alors dites-vous tout simplement, n'en profitez pas pour ouvrir les feux rouges, que ce soit les motards qui vous conduisent, qui vous ouvrent la route, ce sont les malachim que vous allez tout à l'heure acheter. Or, mes chers amis, si nous allons faire ceci, je crois que tout simplement, c'est parce que nous avons un double devoir. Et ce double devoir, je voudrais l'exprimer en hommage à notre Rav, de façon extrêmement simple, parce que je crois qu'il aime d'abord et avant tout la simplicité et la vérité. Pour la simplicité d'abord, je voudrais dire que, finalement, dans nos vies,
On a envie de faire un certain nombre de choses. Et puis on a le devoir de faire un certain nombre de choses. Je crois que le dilemme le plus cruel dans la vie, c'est de résoudre cette contradiction entre mes besoins et mes envies. D'un côté, j'ai un devoir, d'un autre côté, j'ai une envie. Comment je peux le résoudre? Et ce soir, on a une réponse fantastique. Ce soir, on a la capacité de trouver une réponse à ce qui peut être un véritable plaisir et en même temps un impérieux devoir. On est là dans une salle agréable. Tout à l'heure, en venant, en frottant avec mes semelles les infinies moquettes qui nous séparaient du bitume parisien, je ne savais pas qu'il y avait des salons aussi grands, aussi luxueux, qui se suivaient comme ça, comme des suites. Je me suis dit, sûrement que le monde futur doit ressembler à quelque chose comme cela. Et c'est d'un avant-goût du monde futur, on passait de vitres en espace, de bouquets, en éclairage. Et puis on se disait, mais jusqu'où on va? On avait l'impression que cette salle était au bout du monde. Et d'une certaine façon, c'est vrai qu'elle est un petit peu le bout du monde. On est à l'orée du bois, vous comprenez, du bois de Boulogne. On est à l'orée, dans la bouteille, de ce qui peut être homme, c'est-à-dire la lumière de Dieu. C'est ça là, c'est le sens de la frontière. On est dans la bouteille à la frontière de la présence de votre région. Est-ce que ce soir, on va avoir le zokout, le mérite de faire régner cette présence avec plus de force? Est-ce qu'on va densifier la présence de Dieu dans le monde ou pas? Alors imaginez-vous que des choses aussi petites que celles-ci peuvent provoquer la venue de la Shekhina. Parce que je sais que peut-être parmi nous ici, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont mis un petit peu d'argent de côté pour les réveillons de Hanouka. Et grâce au réveil de ce soir, le lion va tomber. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'électricité, c'est le lion positif, le lion négatif. Et en fait, le réveil consiste dans la vie à savoir où on veut aller, parce que quand on se réveille, c'est qu'on a quelque chose à faire. Je crois que c'est ça qui a voulu faire la Yeshiva. Elle a voulu juste avant Hanouka, presque à la dernière seconde, vous dire réveillez-vous, ne réveillez-vous pas. Ce qui est important, c'est que le petit sacrifice qui parfois va se traduire en termes extrêmement peu dignes, quand on réalise dessous ce que coûte la vie aujourd'hui, quand on sait le prix du luxe, mes chers amis, on va vous demander ce soir simplement de renoncer à un peu de luxe dans votre vie, dans notre vie. Vous savez, j'admire les Chachamim, mais ce que j'ai toujours aimé chez les Chachamim, je le disais tout à l'heure, c'est cet hommage à la simplicité. Moi, je pense que si ce soir, il y a une personne qui hésite, il faut absolument que les yeshivas lui payent un voyage en TGV à Aix-les-Bains, pour même pas à Yéranèche, bon, enfin, dès que ça ira mieux, pour que vous alliez voir la maison du Rav. Et vous comprendrez ce que ça veut dire. Le Rav, quand il y a une nappe sur sa table, il se demande si c'est pas de trop. Il se demande si c'est pas dommage de gaspiller quelque chose. Le Rav, quand il y a quelque chose qui doit coûter quelques francs, il se demande si ça vaut la peine de l'acheter, est-ce que ça vaut le sacrifice? Et il me fait penser à Rish Lakish, qui au moment où il devait quitter ce monde, Ibadel Ephraim, eh bien, avait une peine terrible, vous savez pourquoi? Parce qu'au moment de sa tira dans l'Amazé, de son départ, de ce monde-ci, il avait laissé un pot de moutarde, qui n'avait pas terminé. Il avait dit, c'est dommage, que je me sois fatigué juste un petit peu trop, pour ne pas avoir consommé ce pot de moutarde qui restera après moi. À quoi servent toutes les choses que l'on met de côté, toutes ces économies, tous ces sacrifices que finalement peut-être on ne consommera pas parce qu'on ne sait pas ce qu'est la vie. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité, la possibilité, en supprimant simplement dans notre budget tout ce qui est facultatif, de rendre des enfants heureux, de permettre à des adultes de leur montrer la voie, d'être cohérents dans notre démarche d'hommes et de femmes, conscients de leur identité, parce que, mes chers amis, je dois vous dire mon admiration pour vous tous, parce que je trouve que c'est formidable que vous soyez venus, parce que ne fût-ce que pour venir honorer les Radanim, être là, c'est déjà avoir fait une mitzvah. Faire en sorte que cette soirée soit belle, qu'elle soit grande, par votre présence, c'était déjà un hommage considérable, et qu'il ne faut pas minimiser, quels que soient vos moyens. Mais je dis qu'à tous ceux qui feront ce sacrifice, qu'ils se souviennent que c'est ça qui est agréable aux yeux de Dieu. Hachem nous connaît mieux que n'importe qui. Et je pense que lui seul sait, avec le secret de nos consciences, qu'est-ce que ce soir va nous coûter la soirée. Non pas par les sorts que l'on va énoncer, mais par le petit sacrifice qu'il faudra faire.
faire. Et dites-vous bien que c'est grâce à cela qu'il nous soit permis enfin de vous citer un exemple qui m'a frappé parce qu'il date de ma lecture d'hier. Lorsque un maître qui va appeler tous ses livres de Wuxing, les vêtements, était un commerçant parce qu'il voulait vivre du produit de ses mains, et il y avait une femme qui n'était pas juive, qui à chaque fois souhaitait sa présence pour des raisons apparemment commerciales. En fait, cette femme avait des visées sur ce rave. Et un jour, elle s'est arrangée exactement comme la femme de Putiphar pour se trouver seule avec lui. Et le rave a réalisé trop tard du danger qui le menaçait. Peut-être que beaucoup d'hommes auraient basculé dans ce sens. Peut-être qu'ils auraient dit « j'y peux rien, hein, je suis coincé, c'est une impasse, il faut assumer ». Alors qu'a fait le rave? Le rave a cherché une issue de secours, une avec-une. Elle passait par un endroit qui était mal propre. Il s'est littéralement comme quelqu'un qui était poursuivi par un incendie. Il s'est jeté littéralement et il a sali ses vêtements. Il a dit « je préfère salir mon habit que salir mon âme ». Et lorsqu'il est sorti intact, pur, de ce contact, qu'il l'a refusé, alors il a décidé de donner comme titre de tous ses ouvrages le nom de Levouche. Je voudrais que ma Torah soit mon vêtement. Je voudrais qu'elle soit ma gloire. Le vêtement, c'est l'objet de la vanité. Mes chers amis, ce soir, je vous demande tout simplement de faire en sorte que la vanité devienne la mitzvah. Et enfin, le dernier hommage que je voudrais rendre au Rav et qui sera donc notre message à nous, c'est de nous souvenir que lui veille à ce que la vérité soit toujours égale à lui-même. Et la vérité, c'est quelque chose de tellement, tellement grandiose qu'on ne peut pas s'imaginer jusqu'où elle va. Et je crois que quelqu'un qui véritablement s'approche de la Torah ne peut rien faire s'il n'a pas en lui une exigence permanente de vérité. On vit dans un monde tellement fou, dans lequel les hommes constamment s'accusent de tas de choses, parce qu'eux-mêmes ont un esprit tellement pervers qu'ils imaginent qu'on a les mêmes pensées qu'eux. Eh bien, il faut qu'un véritable homme de Torah, ce que l'on essaie de construire dans les yeshivot, avec tellement de mal, avec une énergie colossale, et qui peut un petit peu dépendre de nous ce soir, eh bien, mesdames et messieurs, sachez que le produit réel d'une yeshiva, c'est de faire en sorte qu'un jour, un homme soit authentique. Et on raconte que, justement, dans la ville de Vologine, un jour un homme qui était un rave lui-même s'était rendu pour essayer de trouver un gendre, un mari pour sa fille. Alors il a demandé au maître de cette yeshiva, le Rosh Yeshiva, quel est l'élève le plus brillant de yeshiva. Le rave lui a dit, écoute, chez moi ils sont tous brillants, t'as qu'à choisir. Alors le rave a trouvé une idée. Il a dit, je vais donner un cours et je vais poser une question. Et celui qui est capable de répondre, lui sera mon gendre. Ainsi fait, il donne son cours, il pose une question difficile, voilà, pas de réponse. Personne n'est capable de trouver la réponse. Le rave attend, les élèves discutent pendant des heures, proposent des réponses, aucune n'est retenue. Le rave reste la nuit sur place. Le lendemain, le débat reprend dans le Beit HaMidrash. Et les yeshiva de nouveau s'agitent autour de cette question difficile, aucune réponse n'est trouvée. Le rave dort encore les yeshiva. Et au bout de quelques jours, même scénario et toujours pas de réponse. Alors le rave doit partir. Il est tout malheureux, il n'a pas mérité de trouver dans cette yeshiva un élève. Là, le calèche à peine commence ses quelques tours de roue, le rave s'éloigne un peu, il entend quelqu'un qui court derrière lui, c'est un jeune. Ce jeune s'approche, alors le rave lui dit « Alors, tu as trouvé la réponse ?» Il lui a dit « Non, rabbi, mais je veux la connaître. » Et il a demandé au rave de lui donner ce qu'était la réponse. Alors le rave lui a dit « Tu seras mon gendre. » Parce que si tu as ce point, l'exigence de vérité, de ne pas pouvoir vivre avec une question à laquelle tu n'as pas de réponse, alors la Torah est à toi. Parce que la Torah appartient à ceux qui n'abdiquent jamais, à ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur énergie pour réaliser que le monde est fait de réponses qu'on n'a pas été capable de découvrir. Et je crois que face à un monde qui s'interroge, autour de nous, il y a des gens qui sont inquiets, qui se demandent ce qui va se passer. Regardez, on arrive à Rabotai à cette table, à ma droite, la sérénité de la famille d'Israël. Eux, ils n'ont que des réponses. À tel point qu'un jour, un rabbin est sorti du yeshiva en criant dans la rue, j'ai une réponse, il n'y a pas quelqu'un qui a une question. Effectivement, on peut que c'est ça le judaïsme. Si on a une question sans réponse, une réponse qui attend une question. Je pense que ce soir, c'est cela que nous allons faire. En un mot, notre présence ici procéderait de la reconnaissance tout simplement à la Torah. On est venu dire merci à la Torah, et je pense que ce merci, mes chers amis, vous allez voir qu'elle va en être l'effet. Il va être fabuleux sur vous tous. Et vous me faites penser à quelqu'un qui un jour en a sauvé un autre. Vous savez, dans la Torah, j'aime beaucoup raconter cette histoire, et c'est un sel pour ma conclusion.
Un jour, on nous raconte dans le Midrash que pendant la traversée du désert, il s'est passé quelque chose de très pénible pour les Juifs, de peu connu. C'est qu'ils avaient décidé d'emmener avec eux les ossements de Yosef et ceux de tous les Shvatim, de toutes les tribus. Et pendant la traversée du désert, tous les soirs, les enfants d'Israël entendaient un bruit qui était terrifiant, qui était celui des ossements de Yehuda qui tremblaient à l'intérieur de son cercueil. Ce qui était la preuve que son âme n'avait pas trouvé le repos. Alors on ne savait pas quoi faire. Et Moshe Rabbeinu avait commencé des prières pour essayer de demander à Dieu d'accepter l'âme de Yehuda qui avait fauté dans l'autre monde. Et il n'avait pas trouvé, jusqu'au jour où il est arrivé devant Hachem. Et il a vu cette chose suivante. « Mi gara mi Reuven chiyode » Qui a fait en sorte que Reuven est allé lui aussi reconnaître sa faute? C'est parce que son frère Yehuda avait d'abord reconnu sa faute. Mes chers amis, ce qui a sauvé finalement Yehuda, ce n'est pas tous ses mérites, ce n'est pas ce qu'il avait fait. C'est parce que grâce à lui, quelqu'un d'autre a fait. Grâce à son aveu, il a un jour reconnu une faute. Alors Moïse est allé chercher jusqu'au fond de la conscience, jusqu'au fond de l'histoire de la vie d'un homme, pour trouver quel était l'acte par lequel quelqu'un d'autre avait fait du bien. Ce qui nous montre que ceux qui sont mezakeh karabim, c'est-à-dire qui font faire du bien aux autres, leur mérite est tel que non seulement ils permettent autour d'eux de voir la Torah rayonner, mais c'est eux qui seront sauvés. Je me demande si ce soir, au fond, notre rendez-vous n'était pas dicté par la providence divine qui nous a demandé, comme une supplique silencieuse, mais qu'il faut savoir entendre, entendant notre cœur, si finalement, en permettant à d'autres d'être ce qu'ils sont, nous n'avons pas d'une certaine façon gagné notre propre éternité. Non, ça fait.
On n'a pas suffisamment de temps. Mesdames, messieurs, nous allons débuter avec 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour la première fois, 1000 francs pour la deuxième fois, 12 enfants, 12 enfants pour la première fois, 14 enfants, 1400, 2000, 2000, 2000 francs pour la première fois, 2000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a-t-il bien vu? 2002, 2200, 2004, 2400, 2400 francs pour la première fois, 2400 francs pour la deuxième fois, 2006, 2006, 2600 francs pour la première fois, 2600 francs, 3000, 3002 à l'arrière-salle, 3002 pour la première fois, 3002 pour la deuxième fois, et 3005, 3500 francs pour la première fois, 3500 francs pour la deuxième fois, 4000, 4000 francs pour la première fois, 4000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de regret, et je vais juger contre avant une marée. 3500 pour monsieur, arrière. 4000, je m'excuse, 4000. Vous prenez maintenant l'adresse et le numéro de téléphone. Et, mesdames, messieurs, le numéro 2, le sacrifice des Yitzhak, de Maggie, Myriam, une russe pour être signée en bas à droite. Mesdames, messieurs, can I see justement, je peux le voir. Thank you very much. Le sacrifice, Akedat Yitzhak, mesdames, messieurs. Akedat Yitzhak est une chose que je crois que la Rafaïkim et la Rachid Yeshiva des Sénats le font presque tous les jours. Le sacrifice de Yitzhak, et là, mesdames, messieurs, nous allons débuter avec 1000 francs, 12 enfants, 14 enfants, 16 enfants, 18 enfants, 2000 francs, 2005, 2006, 2008, 3000 à l'arrière, 3000 francs pour la première fois, 3000 francs pour la deuxième fois, tout le monde qui vient de parler, 3005, 3500 francs pour la première fois, 4000, 4000 francs pour la première fois, 4000 francs pour la deuxième fois, tout le monde qui vient de parler, regret. Et je vais adjuger, rentre dans l'arrêt, tout pour monsieur à mon droit. Adjuger. Oui, vous avez une dernière question. L'eau numéro 3, les loupes de Hacha Aimé Yacoubi, 1986, acrylique sur toile signée en bas à droite, de 48 cm sur 38 cm. Mesdames, messieurs, c'est une œuvre originale. Et là, mesdames, messieurs, j'ai 2000 francs. 2002, 2004, 2006. 3000. 3000. 3000 francs pour la première fois. 3000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit 3500 à l'arrière. 4000. 4000 à l'arrière. 4000 francs pour la première fois. 4000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de regret. Et je vais adjuger. Entre moi et Marais, 4000, à juger. À travers le monde. Les femmes peuvent participer, pourtant, il est besoin de la permission, bien entendu. Là, hybride. Un Nederlands, flamand. Vous savez que je suis bilingue. Je parle le flamand et le yiddish. L'eau numéro 4, love number 4. Montre-le. C'est pas comme ça. C'est ça. Montre de ce côté et de tous les côtés. Yitzhak Besançon. C'est un ami sincère de la Yeshiva et de nous tous d'ailleurs. Il y a bien entendu ici une valeur d'investissement. Vous avez pu voir la monographie du peintre au début de ce catalogue. La simcha. Et mesdames, messieurs, j'espère que vous allez donner un peu de simcha au directeur de la Yeshiva d'Aix-les-Bains. C'est une lithographie épreuve d'artiste numéro 5. Elle est signée en bas à droite. Un peu plus haut, s'il te plaît. Tiens, le haut, c'est ça. Et mesdames, messieurs, j'ai 1000 francs, 1200 francs,
14 francs, 16 francs, 2000, 2000, 2000 francs pour la première fois, 2000 francs pour la deuxième fois, 2005 pour l'arrière, 2500 francs pour la première fois, 2500 francs pour la deuxième fois, tout le monde a-t-il mis pas de regret, 3000, 2006, m'excuse, 2006, 2008, 2800, 2800 francs pour la première fois, 2800 francs pour la deuxième fois, 3000, 3000, 3000 francs pour la première fois, 3000 francs, 3500, 3500 francs pour la première fois, 3500 francs pour la deuxième fois, tout le monde a-t-il mis pas de regret, et j'ai été 3500 francs pour 3500 francs, et nous allons être jugés contre Roy Marais, 3500 francs pour la première fois, 3500 francs pour la deuxième fois, et c'est tout, 3500 francs pour vous, allez-y. Premier 500 francs, voici. Alors, lot numéro 5, lap number 5, ladies and gentlemen. Isaac Besançon, Harova Hayehudi. C'est une vue de Jérusalem, une aquatinte signée en bas au milieu de 50 cm sur 35 cm. An original work, ladies and gentlemen, by Isaac Besançon. Eh, hey, mesdames, messieurs, j'ai 2005, 2000, 2002, 2004, 2006, 2006, 2600 francs pour la première fois, 2008, 2008, 2800 francs pour la première fois, 2800, 3000, 3000, 3000 à gauche. Pardon? 3000 à ma gauche. 3000 francs pour la première fois, 3000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit bien, pas de regret. 3000 adjugés. Arrière gauche. Lot numéro 6. Un collage original signé Isaac de Yitzhak Besançon. Il est signé en bas à gauche. C'est en haut, à l'arrière au fond, gauche. Une dame. Isaac, Besançon, collage signé en bas à gauche, 32 cm sur 23. Et là, monsieur, c'est très très important, j'ai les mille. 2005, 3000, 3005, 3500, 3500 francs pour la première fois, 3500 francs pour la deuxième fois. 4000, 4500 à l'arrière salle, 4500, 4500 francs pour la première fois, 4500 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit bien, il m'a donné regret, et j'ai 5000, 5500 à l'arrière. 5500 francs pour la première fois, tout à fait au fond. 5500 francs, c'est plus chez vous, monsieur. 6000 chez monsieur. 6000 francs pour la première fois. 6000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit bien, pas de regret. 6000 pour monsieur. Mazak ou Namou, Mazak. Lot numéro 7. Le violon, oui, violon de roue, de Isaac Besançon, un pastel original, il est signé en bas à gauche, c'est un pastel de 51 sur 38 cm. 51 times, 38. Et là, mesdames, messieurs, je vais demander 2000, 2002, 2005, 3000, 3000, 3005, 4000, 4000. 4000 francs pour la première fois, 4000 francs pour la deuxième fois, 4500, 5000, 5000, 6000, 6000 francs, 6000 francs pour la première fois, c'est plus chaud, monsieur, 6000 francs pour la deuxième fois, 6500 chez monsieur, 6500 pour la première fois, 6500, 7000 chez monsieur, 7000 francs pour la première fois, 7000 francs pour la deuxième fois, tout le monde a dit bien, pas de regret. I have only 7,000, ladies and gentlemen. Ich habe nur 7,000 belgische Franken. Sehen wir. 75, au fond. Ça, j'ai pas bien. 75. 7,500 francs pour la première fois. 7,500 francs pour la deuxième fois. Plus chaud, monsieur. 75. Et c'est tout. Et je vais adjuger 8,000 ici. 8,000. 8,000 francs pour la première fois. 8,000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a-t-il bien pas de regret? Et j'ai 8500, 8500 francs pour la première fois,
8500 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit bien pas de regret. 9000 francs pour la première fois. 9000 francs pour la deuxième fois. 9000. 9500 francs pour la première fois. 9500 francs pour la deuxième fois. 9500 francs pour la deuxième fois. 9500 francs pour la deuxième fois. Alors, Rosh Hashanah, mesdames, messieurs, le jour de l'an de Yitzhak Besançon, c'est encore une fois une œuvre originale, acrylique et huile sur toile, signée en bas au milieu de 75 pierres. Je parle du Belge. 75, octobre. 75 x 60 cm. Une œuvre originale de Yitzhak Besançon. Un peu plus haut, s'il vous plaît, c'est ça. Et membre de ses côtés. Également. Chacun participe pour le Maroc à ce vote. Et là, mesdames, messieurs, j'ai 10 000, 12 000, 3000, 12 000, 3000, 12 000 francs pour la première fois, 3000 francs pour la taille, 12 000 francs pour la deuxième fois. Montre-le de ce côté-là. Si, si, si. Tu le vois, I have only 12,000, je n'ai que 12 000. 13 000, 13 000 francs pour la première fois, 13 000 francs pour la deuxième fois, 13 000 francs pour la deuxième fois, 13 000 francs pour la seconde fois. 14 000, 14,000, 15 000, 15,000, 15 000 francs pour la première fois, 15 000 francs pour la deuxième fois, 16 000, 16,000. 16 000 francs pour la première fois, 16,000, 17 000, 17,000, 18 000, chez monsieur, 18,000, 18 000 francs pour la première fois, 18,000, 19 000, 19,000, 20,000, 20,000 francs pour la première fois, 20,000 francs pour la deuxième fois, estimé, 21 000, estimé, 21,000, 21 000 francs pour la première fois, 21,000 francs pour la deuxième fois. 22 000 francs pour la première fois, 22,000 francs pour la deuxième fois, 22 000 francs pour la deuxième fois, 22,000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit bien pas de regret. Et j'ai bien jugé. Contre moi, Marie. Contre moi, Marie. 22 000 francs. Ladies and gentlemen, Myriam et les concubins. De Maggie Myriam, une huile sur toile, signée en bas droite, c'est une œuvre originale. Et là, j'ai 2 000 francs. 2 000 cerfs. 3 000 francs. 3 000 cerfs. 3 000 francs. 4 000 francs. 3 000. 4 000 francs pour la première fois. 4 000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a gagné le pas de regret. I have only 4,000 francs, c'est tout. 4 000 francs. 4,200. 4 500. 4,500. 4 500 francs pour la... 5 000. 5 000. 5 000 francs pour la première fois. 5 000 francs pour la deuxième fois. I have only 5,000. Ladies and gentlemen, it's a bargain price. 5 000 francs pour la première fois, 5 000 francs pour la deuxième fois. Tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de regret, et nous allons faire des heureux. 5 000 à mon droit. Le juif en Péalan, il y a un homme dont on appelle le nom, c'est pas Andrei Shevchenko, mais c'est bien le père Konstantin Shevchenko. École russo polonaise, huile sur panneau, une œuvre originale, signée par le maître,
de 20 cm sur 30 cm, il me confie. Et là, mesdames, messieurs, j'ai 2 000 francs. 2 000 francs, 3 000 francs, 3 000 francs, 4 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs, 6 000 francs, 6 000 francs, 7 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 000 francs,
a rangé le manteau de Barabbas Citruc voudrait se faire connaître à la sortie de la salle. Mesdames, messieurs, un des clous de la soirée. Vous vendez le manteau aux enchères. C'est la Rothschild Miscellany. Mesdames, messieurs, elle provient d'un baron de l'industrie. Ça vaut du fric. Qui désire l'anonymat. Ça vaut du fric. C'est une œuvre exceptionnelle sous l'égide du musée d'Israël, numéroté 41 sur 50, avec certificat du musée et de l'éditeur. C'est un numéro à personne, ce qui veut dire qu'elle a été préservée à un musée. Elle comprend virtuellement des centaines, voire des milliers d'enluminures et miniatures manuellement rehaussées à leur fin 24 carats. C'est une œuvre, mesdames, messieurs, de grande envergure. Elle consiste des psaumes de David, le marzor, avec toutes les prières de l'année, le Tashbet, Maïmonides, la Haggadah, le Ben Sira, Halakhot de Rini Corvin, le Sefer HaKabbalah et autres encore. Mesdames, messieurs, l'œuvre originale, ceci donc, est une facsimilée qui a été faite en 88 ou 89. Et elle est numérotée 41 sur 50, mesdames, messieurs. Donc, toutes ces œuvres-là se trouvent dans des musées importants, comme la Oxford Library, mesdames, messieurs, le musée Paul Getty et le musée important, mesdames, messieurs. L'œuvre originale a été donnée par la famille du baron de Rothschild au musée d'Israël. C'est un don de la famille Rothschild. On y joint un livre des commentaires avec la participation de Iris Fischoff, conservateur en chef de Judaïka du musée d'Israël, du professeur Shlomo Simonson, professeur à l'université de Tel Aviv, d'Israël Tachema, professeur à l'université de Jérusalem. Il a entendu des gens qui étaient en train de jouer les cartes. Il est rentré chez eux. Et il les a vus tous en train de jouer. Il leur a dit, mais vous êtes des fous. Vous êtes en train de dépenser votre argent. Vous êtes en train de gaspiller votre argent. Vous êtes en train de voler l'un les autres. Vous êtes en train de faire du tour de rap. Tout le monde a demandé de l'argent. Mais on dit la vie, tout l'argent que nous avons misé, on vous les donne. Et pris pour nous. Il est parti. Le Ravel a reçu de l'argent, il est parti. Deux mois plus tard, ce même Ravel avait besoin d'argent. Il n'arrivait pas à payer ses loyers. Ses dettes. Et puis il s'est rappelé qu'une fois, il y a deux mois, il est passé par une petite rue où il y avait là-bas des joueurs de cartes. Il s'est demandé, tiens, pourquoi pas, je vais m'en aller avec mes dettes. Encore, je vais leur prier et ils vont me donner tout l'argent qu'ils ont pour payer les études. Et voilà, il est parti chez eux. Il a commencé par prier, voilà, il y a eu une surprise. Tout le monde s'est levé. Et ils ont commencé à le frapper, à l'insulter et en lui dehors. Le ballon est parti ce soir-là, il a été vaincu. La première fois, quand je suis parti chez ces gens-là, ils m'ont bien reçu. Donc j'aurais pu dire, ils m'ont donné tout l'argent qu'ils avaient. Et la deuxième fois, je vais chez eux, ils m'ont mis à la porte. Pourquoi? Il a dit, mon fils, la première fois, quand je suis parti chez eux, tu es parti chez Isabelle. La première fois, quand je suis rentré chez eux, lorsque tu auras prié, c'était une parole qui est sortie du cœur, tu as fait tout ce que tu as fait, c'était pour un autre choix de vous. Mais la deuxième fois, c'était pour tes intérêts personnels. Lorsqu'il s'agit des intérêts personnels, alors là, je vous prie, n'est-ce pas? Alors peut-être, je peux dire que la haine ou solidaire, on le voit faire les deux choses à la fois. Et ils vivent ça aux gens, et ils leur demandent de l'argent aussi. Et la première fois, et la deuxième fois, et la troisième fois, et personne. Ah, c'est chaleur de mer à bord. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, c'est juste à mal. La bouteille, c'est pas.
la veille de vous dire qu'aujourd'hui à la Bretagne, nous sommes, tout à l'heure on m'a demandé des questions, et nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui il y a une gravité, qu'aujourd'hui Ahmed Estelac a vu une époque très dangereuse. Et je n'ai pas peur de le dire, et j'ai toujours dit. Pourquoi la Bretagne? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir des gens montrer le réel qu'ils ont contre Israël, sans avoir peur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des gens qui nous menacent avec des missiles, qui nous menacent avec des paroles, et ce n'est pas avec des paroles seules, qui nous menacent avec des armes. D'ailleurs, Bretagne, sachez une chose. Que nous, à Israël, nous avons une arme contre ces missiles. Notre arme, la Bretagne, c'est la Torah. La Bretagne, elle est claire. Où sont les Grecs? Où sont les Romains? Ils ont tous disparu. Et à Israël, elle est meilleure. Pourquoi? Parce que nous avons toujours se tenter et étudier et accompli le Torah et l'Israël. La Bretagne, c'est l'arme que nous avons ce soir pour combattre ce fou d'Irak. Et la Bretagne sache une chose. C'est pas un homme qui parle de bêtises. D'après les policiers, tout ce qu'il dit, la vérité. Et dans la Bretagne, nous avons l'aimona, la tâche d'un pour que la tâche d'un il nous protège de lui, de tous ceux qui sont comme lui. Mais la Bretagne a l'air de montrer notre force, qui est la force d'aider cette Torah qu'il étudiait excellent. Mes amis, on dit que la tzedaka tatsim et mavet, on dit que la charité elle protège la personne de la mort. On dit à la Bretagne que la tzedaka elle apporte Mashiach, on dit que la tzedaka elle rend la personne à faire cheval. Et tout à l'heure, on dit gêné, j'avais peur que je le rate, et j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que la tzedaka, elle peut nous apporter Mashiach? Comment? Bien en Bretagne, je me suis encore posé une question. Est-ce que même la tzedaka, elle peut nous pousser à faire plus de mal? Comment? La Bretagne, sachez que tzedaka, la tzedaka avec ma bête, c'est un qui est rachat, un qui est loin de la Torah. Qui s'appelle? Un homme qui n'est pas dans la Torah, on ne le considère pas comme un vivant. Mais la Bretagne peut se racheter, une tzedaka, la tzedaka, il peut se racheter en donnant tzedaka. S'il ne peut pas étudier la Torah, s'il n'y a pas la possibilité d'aller à l'Echiva, alors il peut, par ses moyens, il peut aider cet Echiva. Il peut donner la Torah, sauf qu'il étudie la Torah, et il peut se faire acheter aussi. Donc, peut-être ce soir, j'offre un livre de Tehillim, qui est un partenaire avec Tehillim. À l'Echiva, je sais. Je croyais ici quelques personnes qui étaient à la semaine dernière en revanche, lorsqu'on a fait la guerre de la République. Et le RNR, c'était une grande instar. Pas pour moi, pas pour lui, c'était pour la Torah. Et je voudrais raconter une belle histoire, un test qui s'est passé il y a une semaine à peine. Je vous raconte pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, 3000 ans. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 3 semaines, tout juste. Et si je la raconte, c'est pour vous montrer quelqu'un qui s'engage à la Torah, quelqu'un qui supporte la Torah. La Kadosh Baruch Hu peut changer pour lui la nature. Les amis, vous savez, il y a à peu près 3 semaines, il y avait un monsieur, je ne peux pas dire la raison pourquoi, il a été arrêté, mais ceux qui étaient avec lui la semaine dernière, en revanche, ils l'ont vu en personne. Ce monsieur a une taille qui était coupé et lui ont donné plus de 15 ans de prison. Et voilà sa femme qui était, lorsqu'elle a pris cette nouvelle, elle est choquée, mais d'autre côté, le médecin lui annonce qu'il était enceinte. Et elle ne savait pas quoi faire. D'un côté, c'est une femme qui est heureuse de savoir qu'il est enceinte, parce qu'elle a connu ce depuis longtemps. D'autre côté, on lui annonce que son mari a entre 12 et 15 ans de prison. Alors, la Bretagne, c'est une femme malheureuse. Elle a été tapée dans les coups de tout le monde. Elle
municipalités, partout, partout, pour essayer de trouver un confort moral. Vous savez, elle a été partout, elle est dans tout le monde, elle recevait des punitions à gauche et à droite. Et voilà, la bouteille, ce jour-là, ce mercredi, elle vient, elle monte, et la première chose qu'elle fait, elle fait un geste qui est un geste d'une femme. Malheureuse, une femme désespérante, qui s'est venue où mettre sa tête. Elle a dit ceci. Est-ce que mon Dieu ne m'a pas aidé avec ce bébé que je porte dans le ventre? Et elle a mis sa chemise. Ah, ben, j'étais dans une situation, je ne savais plus où me mettre. Et puis, je lui dis, madame, où me mettre? Elle dit, est-ce qu'il y a un Dieu? Alors, s'il y a un Dieu, je suis prêt à faire tout pour lui. Mais au moins, pour libérer mon mari. Je dis, madame, ton mari a fait des graves erreurs. Il a pour tous 15 ans, 12 ans. Qu'est-ce que tu veux que le mot fait face à ce moment? Elle me dit, au moins, qu'on lui donne 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et bien, voilà, j'ai eu l'idée de lui dire, dis-moi, madame, est-ce que tu veux m'y aller? Elle dit non. Est-ce que tu respectes Shabbat? Elle dit non. Est-ce que ton mari étudie la Torah? Bien sûr que non. Est-ce que vous faites Stata? Jamais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, nous sommes des juifs traditionnels. Je dis traditionnels, mais d'après ce que la réponse que tu me donnes, même pas traditionnel, vous ne l'êtes pas. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Elle dit, je suis prêt à faire tout. Je dis, tu es prêt même à secouer la tête? Elle dit, je suis prêt même à secouer la tête. Je dis, tu es prêt même à faire l'impossible d'une femme, ce qui fait. Tu es prêt à faire même ce que une fille qui a étudié au séminaire pendant 10 ans, et même je suis prêt à faire tout. Alors peut-être vous savez, il y a des trucs qui arrivent toujours. Vous savez, c'est vous savez, les gens qui vont au casino et qui misent. Voilà, ils jouent à des 100 francs, après ils sont dans les foulis, mais 1000 francs. Après, encore un autre, ils mettent 10 000 francs. Il y a des trucs foulis qui arrivent. C'est comme ça, c'est tout dépend de la nature de la personne. Moi, si j'ai une femme de foulis. Pendant quelques secondes, je ne voyais plus moi-même, et je ne voyais plus cette femme, et je voyais ce bébé qu'elle avait. Et je voyais ces promesses qu'elle est en train de promettre pour la grande chose. Et puis j'avais les cartes d'invitation de la villa. Et puis j'écris là-bas, monsieur et madame, telle et telle. Tu sais que Dieu, si bien tu t'engages à faire quelque chose, 100% de la chose, tu peux faire quelque chose. Et peut-être avec les grands chevaux, tu te souviens, parfois, tu m'aurais la gueule dans la ville. Le 4 décembre. C'était la semaine dernière, on s'en rapproche. Alors elle, la première question qu'elle m'a posée, quel 4 décembre? De quelle année? Madame, vous faites des choses que vous avez, c'est l'année prochaine. La semaine prochaine, si tu veux, il n'y a pas de l'année. La bouteille, la semaine dernière, mardi dernier, dans la salle, je vois une femme qui rentre. Il y avait la dame du Géo qui était moins. Il y avait presque beaucoup plus de personnes qui sont là, qui étaient avec moi la semaine dernière. Ouais, c'est une femme qui a écrit dans son mari. Je ne connaissais pas son mari. Je lui dis, David, David, voilà mon mari. C'est lui. Je lui dis, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est un cas sur 2 millions, sur 3 millions, sur 4 millions de cas que ça arrive. Ils n'ont plus retrouvé de dossier. Même sur les ordinateurs, ça a été effacé. La bouteille, donc, j'ai raconté cette histoire. J'ai voulu que le nom de la planche soit au bout. Je voulais qu'il y aura tout de sa chair. J'ai demandé à ce monsieur, monsieur, est-ce que tu es prêt à te lever devant ces 500 personnes? Et fais-toi montrer qu'on me croit, qu'on ne me prend pas pour un fou. Fais cette pizza-là, lève-toi devant tout le monde et dis-leur que c'est vrai, que tu es en prison, qu'on t'a donné 15 ans de prison et tout ce que tu as raconté, c'est vrai. Et monsieur, madame, monsieur, il s'est levé devant tout le monde. Il leur a dit que c'est vrai, c'est vrai. La bouteille, en conclusion, c'était pas bien. Bon, c'est que c'était un miracle. Moi, je pense que le miracle, c'est la femme qui a fait le miracle. Le fait que cette femme-là, qui est plein à la femme, cette femme-là, elle a accepté sur elle impossible,
et l'accepter sur elle, de faire l'impossible pour Saint-Arrichebois pour la protéger, pour Saint-Arrichebois pour la libérer de son mari. Donc, en bouteille, vous imaginez, lorsqu'on s'engage à une mitzvah, lorsqu'on s'engage à aider la Torah, lorsqu'une famille s'engage à faire l'impossible, je vous donne la parole d'honneur que la Torah peut aussi de faire l'impossible pour la personne. Il n'y a rien d'impossible devant la Torah, tout est possible devant la Torah. Donc, en bouteille, ce livre de Jimmy, que je vous offre ce soir, à l'Echiba de Tzéva, et je l'offre à la Haït Mishavita, que je respecte et que je nomme comme mon rabbi aussi, parce que je sais ce qu'il fait. Donc il a dit, la fusée, c'est le feu. Il a dit dans une chambre. J'ai vu plusieurs fois, et c'est une personne très modeste, c'est pas une personne qui cherche des villas pour vivre dans le grand fort. C'est un seul, c'est un rabbi qui veut vivre très moyennement, et qui veut voir l'Echiba vivre bien. Donc à Bouddhaï, celui qui achète le livre de 100% que ce livre-là, il apportera bonheur et la joie qu'il a la folle. Et je demande 100% celui qui achète ce livre, qu'il ne le jette pas, qu'il ne le mette pas dans qu'il le garde très, très précisément, parce que quel est ce que je donne, je fais un grand sacrifice le dedans, et je demande de bon cœur des discours pour la Kedusha, la Kedusha pour vous prêter aux amis de l'Église. Ce Tehillim est vendu avec TVA.
c'est-à-dire une Torah en valeur ajoutée. Quelle est cette Torah en valeur ajoutée? C'est que l'heureux acquéreur aura non seulement le surcoût incroyable d'avoir ce fédime, mais par-dessus le marché, donc en TVA 18,60, 33% par cet objet de luxe, eh bien il recevra un guichet Bérard personnel de notre vénéré rare. Alors ça vaut la peine. Alors il y a preneur à combien? C'est pas assez. 50 000 preneurs. Qui dit mieux? Où ça? Combien? 60? 60 000. 60 000 preneurs. Allez messieurs. Allez, allez, 60 000 preneurs. Sinon moi je vous mets mettre au loup, mais rentrez les pattes, allez voir ce que ça fait. 105 000. Allez, la pizza, ça va? Allez-y. Bon, alors 105. C'est bien vu, 105. Observe bien, regarde. 110, qui a dit 110? Qui a dit 110? Eh bien, écoutez, y a-t-il mieux? Qui dit mieux? Avec votre accord, une fois, mais n'applaudissez pas, parce que vous allez voir dans 30 secondes, vous allez applaudir encore plus. Une fois, c'est bien vu, pas de regret. Deux fois, avec vents et marées. Trois fois, ne bougez pas. Maxime, quel est votre maximum? Vous êtes allé jusqu'à 100 000, jusqu'à 110. Eh bien, David Pinto vous offre dans les mêmes conditions un Zohar du même mercredi. Et Maxime, nous savons quel bracha vous attendez, messieurs. Venez chercher votre bracha. C'est 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, 7 000,
C'est lui propre la première fois, c'est lui dame, maître de la dame. C'est lui propre la deuxième fois, c'est lui dame, maître de cette dame. Pour un Chantal Gaud et Gérard Gaud, une œuvre unique, signée et datée, on peut. 7,000 Le Rachot, mesdames, messieurs, je suis convaincu que vous avez tous les échecs trahis. 7,000, ça doit être quelque part au fond. Là. Je vois là-bas au fond. Échecs trahis. Là, il cherche à prendre la deuxième fois. Tout le monde a publié les cadres et prêts. Et nous allons faire deux heures. Prenez ça à la gauche. Et entre-temps, alors l'échecraille qui revient, s'il vous plaît, c'est ce parchemin, une œuvre originale de Reiner. Un travail d'envergure exceptionnel. Et à monsieur Amiré, ses qualités. Et à monsieur Gémy, 11,000. Il a le talent. On n'est pas la peur. Il a le talent de l'âge. 12,000 fois le talent. 12,000 fois la peur. 12,000 fois la deuxième fois. 3,000 fois le second talent. Tout le monde a signé le talent vrai. Et je l'ai dit 12,000 fois. La deuxième fois, 16,000, 18,000 fois pour la première, 18,000 fois pour la deuxième fois, 18,000 fois pour la seconde, et c'est tout. Salut, prends la porte.
J'avais parié de plus. Tout le monde a dit bien, pas de regret, et je vais adjuger, Camille, adjuger. Azak ou pardon, au centre ici. 18 000, et qu'une tasse, 18 000 francs pour la première fois, et qu'une tasse, c'est la première fois, 18 000 francs pour la deuxième fois, et qu'une tasse, c'est la seconde fois, et c'est tout, et je vais, 18 000 francs, et qu'une tasse, 18 500 francs pour la première fois. 18 500 francs pour la... Pardon? 20 000. 20 000 francs pour la première fois. 20 000 francs pour la première fois. Alors le numéro 45. Maintenant je vous dis, c'est une déclaration d'amour. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur les dames. Vos enregistrements, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Preneur,
plus que ça. 3000 une fois. Il est remis en vente à partir de 4000. Allez, promis, il est remis en vente à partir de 4000. Il a été acheté 3005 et offert à la Yeshiva. Il est remis en vente à partir de 4000. Thank you.